Bon, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc, samedi 23, retrouvez les 4 queues au concert, tout simplement, un festifoot dans le 20e arrondissement avec MS Agency. Ça va être du lourd, ça va être sale. Il y aura aussi Kuluna Black Swan, il y aura du beau monde, il y aura Caris. Il y aura Kalash Criminel, il y aura Ghetto Phénomène, il y aura du beau monde. Venez nombreux. Ça commence à partir des 13h, les portes ouvertes à partir des 13h. Donc ça va être sale, ça va être lourd. Il y aura du beau monde, il y aura 4 cusses. Il y aura Kuluna Black Swan, ils vont faire un bon délire. Et après tous ces gros du rap français que je vous ai cités vont faire leur travail comme ils ont l'habitude de faire, tout simplement avec MS Agency. Ça va être lourd, sale. Donc le 23. Avec Festifoot, n'hésitez pas à taper justement dans le 20e arrondissement. C'est demain. Voilà, ça va être sale. Venez, venez nombreux justement avec MS Agency, Tonton Marcel. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, Tonton Marcel 91. Ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram. On est passé à 21 000 et quelques. Sur Facebook, on est passé à 15 000 et quelques. Sur. Allez. Sur quoi d'autre encore? Sur Twitter, on est passé à 10 000 et quelques. Sur, allez, ça commence à monter doucement. Venez, venez petit à petit, on va parler. Et sur mon YouTube, Tonton Marcel, que j'ai ouvert récemment, il y a à peu près, allez, 3-4 mois, 3-4 mois, on est déjà à 6 000 abonnés. Donc venez, abonnez-vous. Il y aura des vidéos, des délires, tout ça. Tout. Bon, je vais vous parler du nouveau son et du nouveau clip de Caris, qui, moi, qui m'a donné un peu de frisson. Ce n'est pas le son qui m'a donné des frissons. C'est le clip qui m'a donné des frissons. Pourquoi? Parce que vous savez, nous les Ivoiriens, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas beaucoup brandir le drapeau ivoirien, orange, voilà, comme, comment ça s'appelle, comme les Algériens, que nous ne sommes pas patriotes. Nous, Ivoiriens, dans le cœur, on est peut-être encore 10 fois plus patriote que les Américains. Donc quand on voit notre pays, on a les frissons. Quand on voit les petits de notre patrie ivoirienne, de Félix Houphouët-Boigny, de Général Guéï, de Alassane Ouattara, de Conall-Henri Bédié et de Laurent Gbagbo, nous avons les frissons. C'est notre pays. On l'aime, qu'il soit en guerre ou qu'il soit pas en guerre, on l'aime. Donc moi, quand j'ai vu Caris tourner son clip là-bas, j'ai dit, je vais faire comme les mecs du 9-3. J'étais corda. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'étais corda. Parce que ça m'a rappelé toute mon enfance. Vous savez, moi, je suis arrivé en France, j'avais à peu près 8 ans, en 1987. Regardez, on est en 2017. Vous avez vu tous les temps que j'ai passé en France. Donc quand même, je vous dis, bon, je vais de temps en temps en Côte d'Ivoire, mais mon pays me manque beaucoup. On a beau avoir le passeport français, on a beau avoir la double nationalité, quand on va mourir, peut-être qu'on va nous enterrer dans notre pays natal. Donc, sur ce, Caris, Ato, félicitations. Un très beau clip qui m'a donné des frissons de voir tous les petits enfants s'amuser dans la saleté là. C'est vrai, c'est pas beau. Mais là-bas, quand tu es dans le concept comme ça là-bas, je vous jure, c'est extraordinaire. Et quand tu dis, putain, regarde, comment j'ai évolué, eh ben, tu te dis, putain, j'ai évolué. Voilà. Donc franchement, Caris, fais-nous de plus en plus de clips au pays. Fais-nous de plus en plus de morceaux au pays. Mélange-toi de plus en plus avec les artistes ivoiriens. Mon frère, t'es un ivoirien. 225, on n'y peut rien, qu'on veut ou non. Quand on va mourir, c'est là-bas qu'on va aller. Non, franchement, lourd. Il est propre son clip. Moi, ça m'a fait plaisir. Allez, on le voit un peu se promener partout dans la Côte d'Ivoire, dans Abidjan, il est reçu, ça fait vraiment plaisir. On sent que, allez, c'est devenu un rappeur, comment ça s'appelle, important. Et de toute façon, quand un artiste africain va en Afrique, il est toujours bien reçu. Donc peu importe s'il est du pays ou il n'est pas du pays, ou il en prend du pays ou il n'est pas en enfant du pays, il est toujours bien reçu parce que l'Africain a l'hospitalité.
Voilà. Donc, sur ce, je ne vais pas m'attarder dessus. Franchement, très beau clip. Et on espère en voir d'autres davantage parce que quand on est enfant du pays, on nomme son pays. Et vive la Côte d'Ivoire. Fier d'être ivoirien et fier d'être français. Voilà, je suis entre deux mondes. Passeport ivoirien, passeport français. 225 et le 33. Voilà, ça me représente moi, moi tout seul. À bientôt la famille. Je vous embrasse du fond du cœur. Ciao. Dédicace à Berbère 2R. Dédicace à dédicace à 4 caisses gants. Dédicace au Kuluna, Black Swan Kuluna, le rappeur du 9-4 qui arrive, qui va faire très très mal. Je ne vais pas répondre à certaines polémiques, ça ne m'intéresse pas, parce que je connais ma valeur et je connais la valeur de la personne. Donc, répondre, ça ne me servait à rien du tout. Allez, dédicace à Maf, de la Courneuve, dédicace à Divise, libéré Barbu, libéré James Ismad, libéré Mourad. Mourad XVG, libérez-moi XVG, dédicace à Biggie Stone, le frérot. Allez, à bientôt la famille. Ciao. Bah!